Bonjour, je m'appelle Guilherme Durin et dans la vidéo, on va explorer un peu le nord-est du Brésil. Ça se promène en avion aussi. Et la surprise du jour, c'est qu'on va en bateau. Ouais! Alors, dans ce premier arrêt, on a ce gros magasin où on peut acheter des choses artisanales. On va boire de l'eau de coco aussi. C'est une belle structure au milieu du rien. Et c'est bien, c'est bon. Alors, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est les Lençóis. Il s'agit d'une grosse région pleine de dunes de sable fin très blanc, baignée de soleil, ce que ça fait chauffer énormément par terre. Alors, il y a des endroits où c'est plus chaud, il y a des endroits moins chauds. Mais en tout cas, il faut savoir que vous allez brûler un peu vos pieds. Et au milieu de ces dunes, il y a des lacs d'eau douce formés par de l'eau de la pluie. Après la saison de pluie, ces lacs se remplissent et au fur et à mesure, après dans la saison sèche, ils vont petit à petit ils vont sécher. Donc on est arrivé ici en pleine haute saison, c'est-à-dire tous les lacs sont pleins, tout est beau de partout. Ici normalement au Brésil c'est l'hiver, mais comme tu vois, le soleil ça tape. C'est mortel, mais c'est quelque chose. Il faut voir, il faut vraiment faire cette promenade, il faut se jeter parce que c'est vraiment quelque chose que ça vaut le coup de bouger de la France jusqu'ici. C'est mon cas. Et finalement, nous sommes arrivés dans la petite agglomération, je ne sais pas, peut-être c'est ça, qui s'appelle Caburé. En fait, Caburé, c'est juste une marge, une bande de sable qui sépare la mer derrière moi de l'eau salée. Et de l'autre côté, juste derrière ces cabanes-là, on va trouver le fleuve qui s'appelle Preguiças. C'est le fleuve par où on est arrivé ici. Le paysage, c'est quelque chose. C'est vraiment beau. Le soleil, il est tout simplement parfait. Il fait très chaud maintenant, c'est l'hiver et quand même, hein, franchement, regardez le coup de soleil et la température de l'eau. Ah, il faut voir, il faut venir et profiter de tout ça. Cette vidéo vous donne envie d'aller en aventure au Brésil. Sachez, c'est pas fini. Si vous voulez découvrir d'autres endroits à visiter dans cette région, abonnez-vous pour rester au courant des prochaines sorties. Et partagez cette vidéo et vos rêves pour provoquer vos amis et votre famille pour une escapade en groupe. Quand on partage nos envies, c'est plus facile de les réaliser, hein? Ça c'est vrai. Et suivez-moi aussi sur Instagram @viroparis et à la prochaine vidéo. Au revoir.